Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Doléana Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire votre tirage du jour de ce vendredi 1er septembre 2023 avec, et comme toujours, et pour commencer, Monsieur le jeu 32. Allons-y, c'est parti, mon kiki. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Eh ben moi, oui, tout va bien. En tous les cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. C'est ce qu'il y a de plus important. Allez, on va regarder ce qui va se passer donc pour cette journée de ce 1er septembre 2023. On commence comme d'habitude avec la numérologie. Donc le chiffre 1 en numérologie nous parle de quoi? Ben, nous parle tout simplement de réussite. Alors, réussite sur un sujet bien précis qui vous concerne, ça peut être sur tout autre sujet. Hein. Alors, sujet qui est les sujets de la vie, c'est bien sûr tout ce qui est en rapport avec le professionnel, le sentimental, les finances, le domaine par rapport si vous êtes actuellement dans une procédure, ça peut être aussi dans le domaine de la santé. Donc là, on nous parle d'une certaine réussite. Donc, pourquoi pas de bonnes nouvelles concernant un sujet qui vous concerne, bien évidemment. Concernant la planète associée à ce vendredi, c'est la planète Vénus, donc c'est la planète de l'amour, les sentiments. Donc si on l'additionne avec ce chiffre 1, eh ben, ça peut nous parler d'une très belle réussite lors d'une rencontre sentimentale ou éventuellement d'une réconciliation avec un ex. Et oui. Allez, on va regarder avec Monsieur le jeu 32 ce que lui va nous dire, si c'est la réussite, la joie, le bonheur, etc., etc. Allez, on y va pour la coupe, déjà pour commencer, pour ce vendredi 1er septembre 2023. Et oui, on y est au mois de septembre. Waouh, regardez. Je vous parlais de réussite par rapport à une situation ou sur un sujet bien précis. Et là, ça nous parle de réussite concernant un blocage ou des blocages qui sont actuellement d'actualité pour vous. Mais vous avez la réussite, réussite derrière. Concernant l'adversité, vos ennemis, cool. Concernant vos projets aussi, vous avez la réussite. Et là, on voit bien qu'il y a une situation qui est bloquée. Alors, ça peut être concernant une signature. Vous êtes dans l'attente d'une signature. Vous êtes dans l'attente de tout ce qui est lié aux écrits, etc., etc. On voit que vous êtes contrarié. On voit que vous êtes contrarié par rapport à une femme pas bonne avec qui vous allez recevoir des nouvelles. Bon, bah, en tous les cas, ça va beaucoup bouger. Peut-être dans le domaine familial, je ne sais pas. On a un valet de cœur qui n'est pas très loin. On a le valet de trèfle, ça peut nous parler de notaire, avocat, je ne sais pas. Mais en tous les cas, on voit bien que c'est bloqué pour vous, mon consultant, ma consultante, ou éventuellement votre partenaire masculin ou féminin. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental, hein, comme je vous ai dit, avec cette planète Vénus. Ah, j'ai mis Lilou qui miaule. Mais en tous les cas, ça peut nous parler que lui ou elle est bloqué dans le domaine sentimental. Mais vous avez la réussite. Alors, est-ce qu'il y a une femme, une ex, je ne sais pas, qui traîne dans le coin. Mais en tous les cas, avec cet homme ou cette femme, il y aura de l'engagement. Mais on voit que là, lui ou elle, il y a du blocage dans l'air, mais la réussite aussi dans l'air. Donc ça, c'est plutôt magnifique. Bon, on va voir si l'as de trèfle ressort dans votre tirage du destin. Bien évidemment. Allez, hop, 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 on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, on a nos 13 cartes. On a le roi de cœur. Alors, comme je vous le disais, hein, si c'est dans le domaine sentimental, le roi de cœur, c'est votre partenaire masculin ou féminin ou futur. En tous les cas, cet homme ou cette femme vous aime, vous kiffe, vous love, vous adore. Mais ou si vous êtes actuellement célibataire et vous êtes à la recherche d'une relation, d'un partenaire, du prince charmant ou de la princesse charmante, mais en tous les cas, il ou elle vous aimera, vous kiffera, vous lovera. Ce roi de cœur peut représenter également et aussi votre papa. Et si vous n'avez plus votre papa, il vous protège de là-haut, tout simplement. Allez, zou, on replace les cartes, on va voir ce que ça donne. Hop, hop, hop. Là, c'est bon, yes. Yes, yes. Alors, roi de cœur, qu'est-ce qu'on a? On a le valet trèfle, hein. On a la dame de pique, donc on va s'arrêter là. On a quelque chose d'assez inattendu qui va vous faire plaisir, mais on voit qu'il y a eu de la colère par rapport à ça, mais ça serait plutôt elle qui serait en colère. Ok, il y a une femme pas bonne, hein, ça ressort. Hein. On a des nouvelles, vous voyez, on a le 9 de pique qui se retrouve là, et on a vous derrière, ou si cet homme ou cette femme. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une invitation amoureuse, si c'est dans le domaine sentimental, d'un homme ou d'une femme, avec qui ça pourrait matcher. Alors, est-ce que c'est un homme ou une femme qui est un petit peu plus jeune que vous en âge, ou légèrement plus âgé, ou même âge que vous? Mais en tous les cas, c'est plutôt un personnage qui s'apprête bien, qui s'habille bien. Mais à côté, là, enfin, à côté, derrière ce valet trèfle, on a la dame de pique. Alors, la dame de pique, c'est vrai qu'elle peut vous représenter à condition que vous soyez veuve, divorcée, célibataire, et que vous ayez plus de la cinquantaine. Donc là, on peut nous parler d'un homme ou d'une femme, d'une rencontre, hein, tout simplement, d'un homme ou d'une femme plus jeune que vous. Mais en tous les cas, il y aura beaucoup d'amour. Sinon, on peut nous parler de parents. Alors, s'il n'y a plus votre papa, votre maman, ils sont bien là pour vous protéger.
par rapport à tout ce qui est dans le domaine sentimental, mais aussi dans tout ce qui est dans le domaine de l'administration. Mais là, si vous avez toujours vos parents, peut-être que vous allez avoir des nouvelles de vos parents, de votre papa ou de maman, qui sont peut-être dans tout ce qui est lié à l'administration, ou alors ils vont avoir besoin de vous. Mais en tous les cas, là, il y a peut-être une négociation là, entre les deux, là. Peut-être par rapport à vous. En tous les cas, il y a quelque chose de... Il y a une invitation. Alors, est-ce que c'est votre maman, si on rejoint la dame de pique, qui vous invite et ça pourrait vous contrarier? Mais ça pourrait aussi contrarier une femme pas bonne avec qui vous allez recevoir des nouvelles qui bloque une situation, qui vous bloque. Ah, j'ai mis Lilou qui est là. Ah oui, je lui ai acheté son escalier, je l'ai reçu. Elle l'a pas testé encore. Ben vas-y, hein. Tu peux monter, hein, c'est à toi. Ah oui. Elle est en train de regarder. Bon, en tous les cas, il y a de la signature dans l'air. Donc, il y a bien quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vas pas monter sur moi. Non, mais n'importe quoi. Elle veut monter. Mais tu veux monter ou pas? Qu'est-ce que tu fouines? Allez, on y va. On nous parle de ce 8 de carreau en dominant. Le 8 de carreau nous parle de quoi? Nous parle tout simplement de petits déplacements. Alors, c'est pas très loin de chez vous, hein, le 8 de carreau. Ça nous parle tout simplement tout ce qui est en rapport avec les démarches administratives. Donc, peut-être que vous allez faire des petits allées et venues. Vous voyez, elle ne monte même pas dessus, hein, elle monte sur le lit. Donc, elle peut, elle y va. Donc là, petite démarche administrative. Donc, c'est pas très loin de chez vous, le 8 de carreau. Ensuite, bingo, on a encore l'as de trèfle. Donc là, vous l'avez en deux fois. Donc, vous avez vraiment la réussite dans tout ce qui est petits déplacements et tout ce qui est démarche administrative. Hein. Donc, ça, c'est cool. Et là, on nous parle donc. Et en plus, bingo, W, on a tout ce qui est démarche administrative, vous allez devoir vous déplacer pour pouvoir faire vos papiers. Et là, on a l'administration, on a les papiers qui sont là. Vous avez la réussite sur un remboursement concernant tout ce qui est documents administratifs. Ça, c'est OK, c'est signé, c'est acté. En tous les cas, regardez, vous avez les deux cartes les plus fortes dans Monsieur le jeu de 32. L'As de trèfle, le 9 de cœur. Donc, ça veut dire qu'il y a de la joie concernant un remboursement, concernant tout ce qui est un document important, mais vous allez devoir quand même vous déplacer. D'accord? Il y a la réussite, hein, donc ça c'est cool. Réussite pour vous, il y a de la joie, il y a du bonheur pour vous, mon consultant, ma consultante, ou pour votre partenaire masculin ou féminin ou futur. En tous les cas, on est plutôt pas mal. Hein. On y va, changement, grand changement pour vous, messieurs, vous, mesdames, mon consultant, ma consultante, voire éventuellement un déménagement. On nous parle de joie, de bonheur concernant tout ce qui est dans le domaine financier. Je vous ai dit, chiffre 1, on est plutôt pas mal, mais ça risquerait de se corser parce que toutes les cartes positives viennent avant. Waouh, on continue, nouveau départ. Suite à cette somme d'argent que l'on vous doit, si on revient sur ce 8 de trèfle et ce 10 de trèfle et cet as de trèfle, et bien grâce à cette somme d'argent que l'on vous doit, indemnisation, si c'est par rapport à une procédure, ou tout autre, ou une offre de prêt, vous repartez sur de nouvelles bases. On peut nous parler de grossesse, ça pourrait être votre propre grossesse, vous, mesdames, à condition, bien sûr, vous voyez toujours en âge d'avoir un bébé que vous le souhaitez, bien évidemment, mais ça peut aussi, hein, vous pourriez apprendre une grossesse autour de vous. D'accord? Mais il y a un nouveau départ. Ça peut être aussi une grossesse d'un petit garçon. Vous pourriez apprendre la grossesse d'un petit garçon, la naissance d'un petit garçon. Ça peut être votre fils, votre meilleur ami, votre frère qui vous annonce qu'il va être papa. On nous parle aussi d'un fils, d'un meilleur ami ou d'un frère qui a peut-être des soucis. Enfin, des soucis. Là, pour l'instant, j'ai le roi de pique. Mais peut-être que ce valet de cœur doit être en contact ou va être en contact dans tout ce qui est dans le domaine médical ou dans le domaine juridique. On va regarder, c'est la carte derrière. Hein. Bon, on est dans le contexte familial. Hein. Donc, est-ce que vous avez un fils, un meilleur ami ou un frère qui veut acheter ou qui veut vendre? En tous les cas, c'est plutôt positif pour lui. D'accord? Et on nous parle de choses rapides, que ce soit pour votre fils, votre meilleur ami, votre frère, concernant tout ce qui est dans le domaine de l'immobilier. Alors, c'est vrai que tout ce qui est dans le domaine de l'immobilier, ça peut être aussi vous. Vous, mon consultant, ma consultante, qui, grâce à ce 10 de trèfle et grâce à ce nouveau départ, peut-être une offre de prêt, etc., ou une indemnisation, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui vous permettent d'acheter, en tous les cas. Mais là, il y a vraiment quelque chose à l'instant T, avec cette carte des 24 heures, 48 heures, ce 10 de pique, où les choses vont pas mal bouger. Alors, eh, franchement, vous avez un magnifique tirage, il m'en reste une. On croise les doigts. Bon, ça va, vous avez un magnifique tirage. J'ai aucune carte négative. Magnifique. On a dans les 24 heures, 48 heures, des nouvelles d'un fils, d'un meilleur ami ou d'un frère et d'une fille, d'une meilleure amie ou d'une sœur. Alors, soit vous avez un de vos enfants ou vos enfants qui ont des projets d'acheter ou de vendre, en tous les cas, ça va bouger pour eux. Ça, c'est magnifique. Ou sinon, c'est pour vous. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très positif, que ce soit une fille, une meilleure amie ou une sœur, ou un fils, un meilleur ami ou un frère, ou les deux mélangés. D'accord? Ben, honnêtement, vous n'avez aucune carte négative. Hein. C'est magnifique. C'est topissime. Alors, on a quand même, on va faire quand même les associations. Donc, on a quand même deux as. Donc, deux as, ça nous parle de trahison. Donc, à chaque fois, et je vous le dis, et je l'ai dit hier dans mon direct, c'est pas parce que je vous sors un tirage magnifique qu'il faut baisser vos armes. Hein.
D'accord? Non. Il faut toujours être vigilant et vigilante. Toujours aux personnes qui nous entourent. Parce que là, vous avez un magnifique tirage, mais vous savez très bien que les choses bénéfiques qui pourraient vous arriver ou qui vous arrivent, ça peut susciter de la jalousie. Là, je n'ai pas le valet de pique, je n'ai pas la dame de carreau, je n'ai pas le 8 de pique, je n'ai pas la colère, etc. Mais on l'avait quand même en dos de deck. D'accord? Donc, toujours être prudent et prudence, enfin prudente dans sa vie. D'accord? Que ce soit amical, familial, professionnel, etc., etc. Donc, deux as, trahison, ok. En roi, j'en ai qu'un. Celui-là, je ne le compte pas, j'en veux pas. En dame, j'en ai deux, mais c'est la dame de cœur, la dame de trèfle. Donc, on va nous parler d'une bonne amie, d'une bonne entente. Ça, c'est cool. En valet, j'en ai qu'un. En 10, j'en ai un, j'en ai deux, j'en ai trois. 3-10, c'est joie sur un projet. 4-10, 3-10, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de satisfaction. Ensuite, en 9, j'en ai qu'un, j'en veux pas. En 8, j'en ai un, j'en ai deux. Ok. De 8, on nous parle de liaison amoureuse. On a qu'un 7, j'en veux pas non plus. Bon, ben écoutez, hop. J'allais recouvrir, mais il n'y a rien à recouvrir. Ben oui, on ne recouvre pas des cartes positives, bien évidemment. Parce que si on recouvre des cartes positives, il va rester que des cartes négatives, donc automatiquement, ben oui. Il faudrait qu'un jour, je vous fasse un tirage comme ça, où, vous voyez, que je vous fasse un tirage et vous faire comprendre l'importance des cartes, de la signification, certes, mais de la valeur des cartes. Quand, comme là, vous voyez, y rester dans le tirage, dans mon... Là, tout peut changer en fait. C'est vous qui décidez, hein, je vous ai dit. Hein. Vous savez, quand je fais le tirage du chien de pique, je fais plusieurs colonnes. Et comme je le dis à chaque fois, et c'est normal, c'est mon but, soit je leur vous dis, dès que vous avez votre réponse, vous arrêtez. Vous n'allez pas continuer. Parce que c'est sûr que si on a un beau tirage, même suffit d'une colonne, si ça vous convient, voilà. Il ne faut pas provoquer non plus le négatif. Voyez ? Enfin, je pense que vous m'avez compris. Oui. Allez, on y va. Allez, tirage du jour de ce vendredi 1er septembre 2023. Là, regardez, vous avez une magnifique coupe. Là, je n'ai pas besoin de regarder derrière, puisque je regarde que quand il y a du négatif. Là, le 4 de cœur, c'est quoi? C'est le soutien de la famille, c'est le partenaire. Donc, vous avez le soutien de votre mari ou votre femme, vous avez le soutien de votre famille, et ça nous parle de déménagement. Avec la carte du 3 trèfles, qui nous parle, elle, de changement dans votre vie, d'officialisation, c'est la carte des bonnes nouvelles. D'accord? Donc là, pas besoin de regarder derrière, puisque là, ce sont deux cartes magnifiques. Allez, on y va. On a un 5 de cœur, on a un 3 de pique, on a un 2 de carreau. On retrouve le 3 trèfle, donc il y a bien un changement, il y a bien une officialisation. Il y a bien des choses qui vont vous arriver, qui vont vous apporter de bonnes nouvelles. Hein. C'est la carte des bonnes nouvelles. Le 5 de cœur qui nous confirme le 3 trèfle, qui nous parle de grande joie, de bonheur, de mariage, de bébé. Par contre, nous avons un 3 de pique. Le 3 de pique, c'est pas parce que vous avez du pique que c'est négatif. Non. Chaque carte a sa propre signification et chaque carte a sa propre importance dans chaque tirage. Là, vous avez le 3 de pique. Le 3 de pique, c'est quoi? Les choses qui sont retardées, les choses qui sont repoussées. Il va falloir juste être patient. D'accord? Donc, ça ne sert à rien de la couvrir, car c'est la carte du retard et il faut regarder derrière et même avant. Là, on a la grande joie, le bonheur, mariage bébé. Voilà. Peut-être que concernant un mariage, tout simplement, vous additionnez que le mariage pourrait être repoussé, il y aura du retard ou il y aura des contretemps. Les retards, les contretemps, tout le monde peut en avoir, c'est pas méchant. Ensuite, nous avons la carte qui suit derrière le 3 de pique, le 2 de carreau, qui nous parle de décision à prendre. On vous dit aussi que le 2 de carreau, vous allez reprendre votre vie en main. Certes, il y a des choses qui sont retardées, comme tout à chacun, on peut avoir des choses qui sont retardées, des événements inattendus. Et bien là, on vous dit, vous allez reprendre votre vie en main, vous allez prendre vos décisions, et ça, c'est génial. Le 2 de carreau peut nous parler de bonne évolution, une belle évolution professionnelle et d'une offre d'emploi qui pourrait arriver, qui pourrait pointer le bout de son nez. Donc là, pas la peine de la recouvrir, puisque j'ai quand même mes réponses et j'ai ce 5 de cœur qui vient quand même manger ce 3 de pique. D'accord ? Il faut toujours recouvrir une carte, bon, sauf quand c'est le valet de pique et tout, quand vous sentez, vous avez le besoin, d'accord? Moi, vous voyez, des moments, j'ai des doutes, surtout dans le tirage de l'oracle des noirs pour le sentimental, parce que je veux savoir. Mais quand vous avez un beau tirage, la logique, vous ne recouvrez pas des cartes négatives. Ben non. Regardez. Franchement, là, c'est magnifique. Vous avez la protection de là-haut, vous avez la protection dans tout domaine. Allez, on y va, c'est parti. Vendredi 1er septembre 2023. Eh, ça ressort, hein. Quand une carte ressort, qui tombe et qui ressort, c'est une confirmation.
vous avez la protection. Très belle évolution dans le domaine sentimental, très belle évolution dans le domaine professionnel, etc. Dans le domaine de la santé, si vous êtes vous avez un souci de santé, dans le domaine financier, etc. Vous me le mettez dans tout domaine, ce beau miroir magique et surtout cette évolution. Voyez ? Allez, c'est parti, tirage en croix. On nous parle d'amitié. Alors, est-ce que cet homme ou cette femme que vous avez rencontré, vous allez rencontrer, a beaucoup d'amis ? Est-ce que c'est vous ? On va regarder si les amis sont bons ou certains amis pas très bons. On nous parle que les rêves se réalisent, mais on a que ce côté, ce petit serpent. Alors, ça peut être les démons, hein, vos des petits démons intérieurs. Vous voyez, on a l'échec. Hein. Donc, ça correspond. L'échec par rapport au passé. Donc là, la famille. Et vous allez devoir... Alors là, franchement, là, waouh. C'est... Vous allez faire du tri, là, hein, pour certains. Regardez. Alors, vous pouvez compter quand même sur vos amis, parce qu'il y a de la joie, il y a du bonheur avec cet homme ou cette femme. Donc là, vous voyez, dans le domaine sentimental, cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer, vous venez de rencontrer, il est en dos de deck. Mais regardez, je continue. Hein. Vous voyez, il y a de l'engagement, je ne vais pas plus loin. Il y a de l'engagement. Il est là, elle est là. Il y aura de l'engagement, il y a de la joie, mariage, etc. Et on vous dit, vous pouvez compter sur vos amis. Donc là, le dos de deck est magnifique. Mais là... Ça va être tumultueux. Pourquoi ? Parce que là, on vous dit qu'il y a vos rêves. Les rêves, lorsque vous avez rencontré, vous venez de rencontrer cette personne-là. Alors, on va commencer par les célibataires. Comme ça, je ne vais pas perdre de temps à vous redire ce que je viens de vous dire. Là, on va commencer direct par les célibataires. Donc, mes amis célibataires, vous allez bel et bien faire une rencontre. Ça va être un rêve pour vous. Vous n'allez peut-être pas y croire. Mais... Vous allez peut-être mal dormir la nuit. En plus, en ce moment, il y a la lune. Je ne vous explique pas. Moi, je suis très fatiguée avec cette nouvelle lune. Enfin, cette pleine lune-là. Waouh ! Je ne sais pas vous, vous me direz en commentaire, mais moi, ça m'a cassé en deux. Là, on a le serpent. Donc, soit vous avez vos démons, et vos démons, c'est le passé. C'est tout ça, là. Vous voyez ? Et c'est qui ? C'est la famille. Et on vous demande de prendre vos distances, de vous éloigner de tout ça. Donc, mes amis célibataires, vous allez bel et bien faire une rencontre. Ça va être le rêve de votre vie. Attention à vos démons intérieurs. Attention aux gens négatifs. Vous avez le soutien de vos amis, mais là tout de suite vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien pourquoi ? Parce que soit vous avez peur que ça se casse la figure avec cet homme ou cette femme que vous avez rencontré par rapport au passé. Parce que peut-être que la famille, votre famille, a mis la zizanie, a tout fait. Donc là on vous demande, le seul conseil c'est qu'on vous demande de prendre vos distances lorsque vous allez rencontrer cette personne qui, ça sera un rêve pour vous, qui vous avez quand même du soutien de vos amis, qui va vous mettre en joie, il est là, elle est là, et il y aura de l'engagement avec lui ou avec elle. J'ai quoi derrière ? Ouais, et j'ai la roue de fortune, hein. J'ai pas regardé, mais voyez, si je fais ma curieuse. Donc là, vous avez vraiment quelque chose de très beau dans le domaine sentimental, et ça pour tout le monde. Pareil, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Le rêve se réalise, malgré que vous avez le serpent là, qui essaye de vous entourer, là. Voyez, il commence, donc il essaye de vous enfermer. Ça peut être aussi vos petits démons intérieurs, qui peuvent vous mettre en échec. Par rapport à quoi ? Par rapport à vos relations du passé ou, si on va plus loin, si on regarde derrière, juste après, on a la famille. Votre famille qui, peut-être, vous met des bâtons dans les roues, vous a mis des bâtons dans les roues dans des précédentes relations. Et on vous demande de prendre vos distances. Parce que sinon, vous n'allez jamais y arriver et on va vous perturber et vous avez peur que ça recommence, qu'on vous casse cette relation. Pareil, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, il y a un rêve qui se réalise, mais vous voyez qu'il y a des ennemis là. On voit que c'est un échec, ça dure depuis un certain temps, depuis le passé, et c'est la famille. Alors ça peut être votre famille, votre belle famille, mais on vous dit de prendre vos distances. Vous gardez vos amis, mais vous vous éloignez de la famille, d'accord ? Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et qui veulent divorcer, on vous dit que les rêves se réalisent, enfin vous divorcez, mais ça peut être un divorce difficile, ça vous met dans un état d'échec. Vous, pour vous, ça a été, peut-être, ça dure depuis un certain temps. Là, c'est comme si votre ex-mari, futur ex-mari ou ex-femme vous met vraiment des bâtons dans les roues dans le domaine professionnel, ainsi que sa famille ou votre famille. Il y a un schmilblick là et on vous demande de prendre vos distances. Mais en tous les cas, le divorce va se réaliser, hein, c'est un rêve qui se réalise, même si vous n'êtes pas bien, si vous êtes épuisé, pas bien du tout. On vous dit que vous pouvez compter sur vos amis. Vous avez la joie. Vous, mon consultant, ma consultante, par rapport à la loi, par rapport au divorce. Et vous repartez sur... Ah ben, je n'ai même pas vu, avec derrière, vous avez la carte de l'amour. Alors, voyons. Donc, peut-être que vous divorcez parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre et puis ça n'allait plus. Et en tous les cas, c'est tout bénef pour vous. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, c'est un rêve qui se réalise. Vous êtes avec lui, vous êtes avec elle. Mais
vous êtes dans l'attente parce qu'il est toujours avec son ex, enfin, sa future ex-femme, son futur ex-mari. On voit que cette relation vous met en échec. C'est peut-être quelqu'un du passé, votre premier amour. Mais peut-être que vous avez déjà subi ça. Vous avez peut-être rencontré déjà à l'époque une personne avec qui vous êtes en triangulaire et ça n'a pas marché parce que la famille ou la belle-famille avait mis la zizanie. Mais là, ça peut être rebelote Charlotte. On vous demande de prendre vos distances. Pas par rapport à lui ou elle, hein, parce que les rêves se réalisent, mais par rapport à tout ça. Vos amis vous soutiennent et il y a de la joie, il y a du bonheur avec lui ou avec elle. Il y a de l'amour, il y a de l'engagement, la roue de fortune, l'amour. Donc ça, c'est cool. Et on termine enfin pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. Le rêve se réalise, enfin, même si vos démons sont là ou les ennemis sont là. Et quand ça va se savoir, vous n'êtes pas bien, il y a cet état d'échec parce que l'ex revient, la famille ou la belle famille n'acceptera pas et on vous demande de prendre vos distances. Vous avez le soutien de vos amis, vous êtes heureux et heureuse parce que votre ex revient. Il est là, elle est là, on se réengage, il y a la roue qui tourne et l'amour est toujours là entre vous. Oui, non, je ne recouvre pas parce que votre jeu, il est fluide. Vous voyez, là, quand le jeu, il est fluide, ça ne sert à rien de recouvrir, là. Vous voyez ce que je veux dire ? La vie. Allez, on y va. Allez, monsieur l'oracle de la Sibylle, vendredi 1er septembre 2023. Pour le sentimental, ouais, il y a des retards, des contretemps concernant l'engagement des signatures pour certains et certaines. On vous dit que vous avez des amis sincères et une amie sincère. Alors, ça rejoint monsieur l'oracle des miroirs. Hein. Alors, vous pourriez apprendre aussi, une amie va vous annoncer qu'elle va signer un contrat, qu'elle a trouvé un job. En tous les cas, il y a de la signature. Alors, ça peut être la signature aussi d'achat ou de vente hein, qu'elle a signé. En tous les cas, il y a une bonne amie. Donc, ça, c'est bien. Je fais trois cartes. Allez, trois cartes. La mère Olé, d'habitude, t'en fais qu'une. Waouh, regardez, ça ressort. Magnifique. Il y a quelque chose. Waouh. Victoire, 5 de trèfle. Magnifique. Victoire dans tout domaine. Mais là, je vous fais pour le sentimental, mais je vous fais pour tout. Donc, succès dans le domaine sentimental. Magnifique. Les rêves se réalisent. On l'a vu, hein, avec la carte du rêve. C'est la guérison financière pour certains et vous avez retrouvé votre sérénité. C'est la victoire. Espérance, tout ce que vous espérez, c'est la réussite. Le 3 trèfle, c'est la carte des bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles dans tout domaine, changement dans votre vie, officialisation. Là, on nous parle de quelque chose qui était bloqué, on l'avait vu tout à l'heure avec le 9 de pique à la coupe. Et là, on vous dit qu'il y a la fin. On a la carte, l'arcane majeur, hein, la mort. Donc là, on nous parle bien qu'il y a une situation qui prend fin. Là, on vous dit que vous êtes dans l'attente concernant cet homme ou cette femme, concernant des projets. Donc là, il y a bien des projets qui sont bloqués vis-à-vis de cet homme ou cette femme ou tout autre. Hein. Ça peut être des projets professionnels, etc. Ou projets de déménager. On voit que c'est un peu bloqué, mais ça va prendre fin. Et vous allez pouvoir enfin repartir sur de bonnes bases. Il y a quand même de l'attente vis-à-vis de cet homme ou cette femme. Mais en tous les cas, c'est plutôt positif. Hein. Ça, c'est beau. Ça, c'est fait. A fait sa toilette, la mère Lilou. Elle est bien, elle est peinard. Allez, c'est parti, vendredi 1er septembre 2023. Monsieur Béline, vendredi 1er septembre 2023. Oh, là, on vous dit que vous vous sentez attaché, là. Vous êtes prisonnier, là, par rapport à une situation, là. Vous voyez, vous êtes attaché. Et là, on vous dit l'inconstance et tout ce qui est lié à l'instabilité, les tracasseries. Là, il y a une situation qui... C'est comme si vous n'arrivez pas à vous détacher d'une situation. Est-ce que c'est par rapport au sentimental, au professionnel? On a quoi derrière? Vous êtes dans l'attente de nouvelles, vous allez en avoir des nouvelles. Et là, il y a une situation, là... Est-ce que c'est par rapport à un homme ou une femme dont vous êtes amoureuse et vous l'espionnez, ou c'est lui ou c'est elle? Bon, vous avez la clé de la réussite, ou alors vous allez avoir un éclaircissement par rapport à cette situation qui est pénible pour vous. Mais on voit qu'il y a des bonnes nouvelles hein, qui vous arrivent. Hein. Ouais, ça peut être concernant le couple, hein, une union, une relation. Hein. C'est comme si, là, parce que la carte du despotisme, c'est aussi la carte de la jalousie, la possession dans le domaine sentimental. Hein, d'accord? Donc peut-être que vous vous êtes attaché à cet homme ou cette femme, que il ou elle ne vous donne pas des nouvelles et vous êtes emprisonné, quoi. Vous êtes tellement attaché à cette personne que vous avez du mal à vous libérer. Bon, génial. Vous avez la clé de la réussite concernant vos ennemis par rapport à une situation qui est lente. Vous voyez, on retrouve ce côté. Vous êtes vraiment attaché à une problématique. Hein. Bon, il y a un éclaircissement et vous voyez, c'est par rapport à l'amour. Donc là, si on rejoint la carte des ennemis, on va la recouvrir. Quoi qu'il arrive, vous avez la clé de la réussite dans le domaine sentimental, professionnel, financier, etc. face à vos ennemis par rapport à une situation qui est longue, qui avance tout doucement. Ouais, ils vont pleurer, eux, vos ennemis. Ils vont chuter, là, vos ennemis. Hein. Ils vont être en pleurs parce que vous avez... voyez, c'est par rapport à une situation d'amour. C'est comme si je vous ai dit, on essayait de vous mettre des bâtons dans les roues dans le domaine sentimental. Rappelez-vous, monsieur l'oracle des miroirs, il était tranchant. Hein. Il n'y avait que des cartes négatives. Mais vous ne voulez pas resubir ça. Et là, c'est comme si vous resubissez ça. Mais ça va leur faire un effet boomerang. Parce que vous avez la clé de la réussite.
Votre amour, là, il avance, mais timidement, mais sûrement. Mais il y a de l'amour, hein. Voyez, vous vous en rendez malade. Vous avez besoin de repos. Donc là, voyez, quand vous avez la carte de la maladie, la carte du repos, là, on nous parle d'un arrêt de travail. On vous demande de vous reposer. D'accord ? Parce que vous n'êtes pas bien. Vous, mon consultant, ma consultante, ou lui, voyez, vous êtes tracassé. On vous demande d'avancer, hein, pourtant. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles et vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Et il va falloir être sage. Il va y avoir un grand changement. Donc là, on va retrouver la carte de la ruine, juste par curiosité. Ouais, voyez, ça va jacasser. Vous avez la clé de la réussite dans tout domaine et ça va jacasser. Vous voyez, il y a de la colère. Et après, vous allez faire la fête. Mais pour moi, ce n'est pas la colère vous-même, c'est eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux vous dire? Parce que vous faites la fête derrière. Donc, ils vont être en colère parce que vous avez gain de cause. Alors, ça peut être concernant une procédure. Hein. Ça peut être des collègues de travail, de la famille qui sont jaloux de votre réussite. Allez, monsieur Grand Tété, là, c'est parti. Vendredi 1er septembre 2023. Oui, vous voyez, on a la colère. Mais voyez, c'est l'homme vicieux, là. L'homme, il y a un homme qui n'est pas bien, là, qui est en colère. Qui n'est pas content, là. Hein. Vous voyez, agir avec prudence. Vous avez la force majeure, on l'avait vu hier. Et là, il y a des disputes, mais ce n'est pas bien méchant. Et vous avez... Il y a une dispute qui va être en votre faveur. Vous voyez, il y a un homme vicieux sur du retard, il y a un imprévu. On vous appelle à la prudence, mais il y a un jugement qui va être tranché. Et vous allez pouvoir déménager, vous avez les appuis. Et vous? Et vous allez déménager. Hein. Ouais, il y a la colère, mais ce n'est pas vous la colère. Alors, vous avez peut-être de la colère, mais pour vous, elle est finie. Donc... Allez, monsieur Grand Tété, là. Vous avez la protection, l'ecclésiastique. Hein, c'est tout ce qui est lié en rapport avec la religion, en rapport avec là-haut. Hein. L'ecclésiastique, c'est tout ce qui est les prêtres, les religieux. Donc là, vous avez la protection. Là, franchement, magnifique. On nous parle de vous, mon consultant, ma consultante, ou de votre partenaire masculin ou féminin. On vous dit que vous avez une méchante femme, mais vous ne direz qu'il n'en a pas, ou c'est votre partenaire masculin ou féminin, qui vous met des bâtons dans les roues. Hein. Vous voyez, il y a bien quelqu'un qui vous met des obstacles. Hein. On va la recouvrir, enfin, les deux cartes. Et voyez, c'est en amour. Ah ouais, là, il y a une femme, là, pas bonne, qui vous jalouse. Voyez, mais vous avez, sur les obstacles, vous avez la prospérité. Hein. Vous avez le 4 de bâton, hein. Donc c'est la stabilité, vous vous posez, vous allez faire la fête. C'est la joie, le bonheur, le mariage, le bébé. Donc vous, en fin de compte, on va essayer... On a quoi, là? Ouais, vous allez recevoir des nouvelles, hein, d'un avocat ou d'une avocate. Faites attention à la prodigalité. Donc la prodigalité, c'est tout ce qui est attention à l'argent. Mais là, vous allez recevoir des nouvelles. On a quoi derrière la prodigalité? Ouais, le dépouillement. Vous allez vous débarrasser du superflu. Donc là, c'est bon. Donc là, il y a une question d'argent là qui va être résolue. Mais là, vous avez une femme pas bonne, hein. Elle vous jalouse dans le domaine de l'amour. Il faut laisser couler, comme on dit. Hop, ça c'est bon, monsieur Papus. Allez, on y va, c'est parti. Vendredi 1er septembre 2023, monsieur Papus. Dame d'épée, génial. Waouh, encore mieux. L'étoile, magnifique. L'arcane majeur, l'étoile, c'est qui, c'est quoi? Ben, c'est les projets qui vont se réaliser. C'est vos prières qui vont être exaucées. Vous allez enfin vous libérer et c'est la réussite. Vous allez enfin vous relâcher. Et là, on a la planète Mercure, donc vous pourriez recevoir des bonnes nouvelles par écrite. Et là, on a la dame de bâton. Non, la dame d'épée, pardon, c'est encore mieux. Puisque la dame d'épée, on peut l'associer à une avocate. On vient de le voir avec monsieur le grand Tété là. La reine d'épée, c'est une personne qui est intelligente, qui est honnête, qui est dans la dureté. Vous pouvez lui faire confiance. Donc là, elle peut, vous pourriez avoir des nouvelles d'une avocate ou d'un avocat. En tous les cas, qui va vous annoncer des bonnes nouvelles. Hein. Vous repartez sur de nouvelles bases. Donc ça, c'est cool. Ça peut être aussi une amie, hein, qui a du caractère et qui ne vous lâche pas. D'accord? Donc ça, c'est cool. Allez, on va voir si ça ressort. Waouh, génial. Waouh, magnifique. Vous avez le valet de coupe, encore mieux. Alors, le valet de coupe, c'est tout ce qui est lié à l'amour, l'admiration, c'est la proposition sentimentale. Ça peut être le retour d'un ex ou d'une nouvelle relation. Mais c'est aussi le valet de coupe, c'est le messager qui va vous apporter les bonnes nouvelles. C'est un peu comme le valet de carreau, mais sauf qu'il est lui, il est en valet de coupe. Et regardez, vous repartez sur de nouvelles bases, pardon, vous avez une belle arcane majeure, le battleur, qui nous parle de nouveaux projets, de nouvel emploi, de nouvelles rencontres, d'une réconciliation. Là, vous repartez sur de nouvelles bases, vous pouvez recevoir un courrier important, une lettre, des bonnes nouvelles concernant un papa ou des bonnes nouvelles concernant votre partenaire masculin ou féminin, le roi de coupe, hein, c'est comme le roi de cœur. Donc le roi de cœur, hein, c'est l'homme qui est gentil, qui est stable, qui sait être à l'écoute, qui est honnête, qui est sincère. Si vous n'avez plus votre papa, il vous protège là-haut. Et on nous parle de la fin d'une situation, la fin des problématiques, il y a la mort. On l'avait vu tout à l'heure avec monsieur l'oracle de la Sibylle qui était ressorti. Et là, vous allez recevoir des bonnes nouvelles qui va vous annoncer la fin d'une situation, la fin des problématiques. C'est bouclé, c'est signé, c'est acté, on n'en parle plus. C'est beau, hein? Ah bah tiens, j'en dis, moi.
Ah bah avec la mer roulée, ça va vite. Hein. Ah mais tiens, perds pas de temps, moi. Oh ben non, ça sert à rien. Allez, hop. Monsieur le petit tarot des bohémiens, du petit frère de Monsieur Papus, vendredi 1er septembre 2023. Allez, hop, on a quoi? 8 de carreau, des démarches administratives, 8 de bâton. Les choses vont fuser. Hein. Le 8 de bâton, c'est la rapidité, c'est les mouvements qui vont arriver très très vite, c'est les événements qui vont arriver très très vite. Et on vous dit bien hein, que les nouvelles vont arriver, vous allez foncer. Donc, démarches administratives, pas très loin de chez vous. On l'avait vu tout à l'heure hein, dans Monsieur le 32, je crois. Et magnifique, regardez à la coupe, on a un 5 de carreau. Et un 5 de bâton. 5 de carreau, c'est la carte la plus forte hein, dans Monsieur le jeu de 54, qui nous parle d'excellentes nouvelles. Donc ça peut être des belles opportunités professionnelles, on vous dit que l'amour est favorisé, ça peut nous parler d'une très belle aide financière. Alors c'est vrai que le 5 de bâton, il est à l'endroit. Alors quand il est à l'endroit, on nous parle de confusion, de dispute, de compétition, ça bouillonne hein, autour de vous. Donc je pense que vous êtes dans l'attente d'une situation là qui pour vous, vous avez hâte que ça se termine. Donc ça tourne autour de... Enfin, vous tournez à l'intérieur de vous, hein. Allez, on termine avec le petit tarot des bohémiens. On a quoi? On a la dame de denier. Alors, elle, la dame de denier, nous parle de quoi? Elle nous parle tout simplement de stabilité, de sécurité, d'abondance. C'est une personne qui est courageuse, qui sait être dans le réconfort. Donc, ça peut être une amie, mais elle peut vous représenter. Et on termine en beauté. Nous avons le 4 de denier et le 4 de trèfle. Le 4 de trèfle nous parle de quoi? Nous parle de foyer, nous parle de famille, nous parle de projet. Projet d'emménager ensemble ou tout seul, projet d'acheter, de vendre. Ça peut nous parler de déménagement, ça peut nous parler de rentrée d'argent et ça nous parle de tout ce qui est en rapport avec l'immobilier, bien évidemment, de façon positive. Ça peut nous parler d'un logement social. Hein. Et le 4 de denier qui nous parle de stabilité. Vous allez retrouver votre stabilité. Ça nous parle de contrôle des finances, donc vous allez retrouver une meilleure santé dans le domaine des finances. Une meilleure santé, je vous le souhaite, dans le domaine de la santé, mais c'est vrai que c'est plus centré dans le domaine du trèfle, hein, les deniers. Donc, dans le domaine sentimental, ça peut nous parler d'une personne radine qui ne s'exprime pas, qui n'arrive pas à dire ses sentiments ou qui a du mal à sortir ses pépettes pour vous offrir un restaurant ou un petit cadeau. Oh, ça, si c'est le début, ça va. Après, il faut insister. Voilà. Sinon, vous faites vos cadeaux tout seul. Comme ça, vous êtes tranquille, vous êtes satisfaite ou satisfait. Donc, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. On se retrouve donc demain pour votre tirage du jour du samedi 2 septembre 2023. Bah oui, parce qu'on est au mois de septembre. Ça passe trop vite. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je termine les signes astrologiques demain. Promis. Je ne jure pas. Mais promis. Gros bisous à vous. Prenez bien soin de vous surtout. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Bye, bye.